quatre canons font quatre coups de feu. Je ne te laisserai pas le temps de recharger. Donne-moi ton pistolet. Final de notre séance. Bon. Bon. À 9h, notre prochaine séance. Bon, à ce soir. Citoyens de Hobsonville, ne manquez pas l'attraction la plus extraordinaire de tous les temps. Tous ceux qui savent tirer au pistolet peuvent lancer un défi à notre champion. Faites-vous inscrire pour le nouveau spectacle qui commencera à 9h du soir. Nous acceptons jusqu'à 6 pistolets à la fois. Ne laissez pas passer l'occasion de montrer votre adresse. L'inscription ne coûte qu'un dollar. Les balles à blanc, le pistolet et la chemise blanche finement ornée de dentelle sont compris dans le prix. On aurait cru à un vrai règlement de compte avec de vraies balles, bravo. J'ai un pistolet de rechange à votre disposition. Ou alors. Approchez-vous du cliché, messieurs. Celui qui réussit à battre notre champion gagne 10 fois la mise. Alors, messieurs, soyez casse. Ne laissez pas passer cette occasion de vous mesurer à notre super champion. Citoyens de Hobsonville, venez nombreux à affronter notre tir arbitre. Venez prouver à vos amis et à vous-même la fermeté de votre main, votre coup d'œil et la précision de votre tir. D'avoir battu notre suite de geste. Approchez, messieurs, approchez. Vous n'avez rien à perdre et tout à gagner. Inscrivez-vous pour le prochain spectacle qui commencera à 9h ce soir. Pour la modique somme de 1 dollar, la maison fournit Il était vraiment très bien, le spectacle. Oh oui, ça, je me suis beaucoup fait mal. Je t'écoute. C'est par tact envers vous.
C'est vraiment triste à pleurer de voir son ex-major finir dans un cirque. J'aurais pu y laisser ma peau. Que voulez-vous dire? Rien. Regarde. Hein? Ah, mon porte-bonheur, ma croix de guerre. Tu l'avais perdu au poker, c'est au poker qu'il faut me la reprendre. Ne m'en veuillez pas, mais je ne joue plus. Bien que 5 ans aient passé, je n'oublie pas que je vous dois toujours $5,000. J'en mets à gauche et quand j'aurai le paquet, j'irai vous l'apporter. J'ai donné ma parole. C'est bien pour ça qu'elle te fait défaut. Et où habitez-vous? Ici, à Hobsonville. Un de mes amis, il tient une maison de jeu. Ce n'est pas une ville qui vous conviendra. Hobsonville n'est pas tellement faite pour vous. Vin noir vert et passe. Tu me disais que cette ville ne me conviendrait pas. Moi, j'en suis assez content. Vous avez beaucoup de veine au jeu. J'ai quelque chose à vous dire. Tout de suite? Avant que vous ne fassiez sauter la banque. Faites vos jeux, mesdames, messieurs. Cheval 8, madame, premier madame. Faites vos jeux, s'il vous plaît. Allons, messieurs, faites vos jeux. Les affaires ont l'air d'aller. Je t'écoute. Je voulais seulement vous prévenir que si vous voulez encore jouer avec Clément dans le porte-cigare, il y a à Redstone un saloon beaucoup plus grand. Vous augmenteriez vos gains? Voyez-vous, Major, ici à Hobsonville, personne ne filoute jamais. Personne. Et ça? J'ai trouvé cet aimant caché sous la table de ta propre roulette. Vous voulez dire que vous avez gagné comme ça, par pur hasard? Pauvre gamin. Vous devriez jouer les illusionnistes. Il y en a déjà un au cirque. Il s'appelle Pickle. Associé? Mais... En tout cas, jusqu'à ce que tu aies réussi à me rendre mes $5,000. Je peux lui changer à la pièce? Non, associé, laisse. J'ai vu qu'il y a un tas d'Irlandais dans le coin. Rien ne t'échappe. Eh bien, ce petit monde travaille pour le bien d'Hobsonville. Tous ces Irlandais sont cousins, frères, beaux-frères. C'est comme une grande famille, dont le chef est Joel McIntock, le plus à la page de toute la bande. Celui-là a des chevaux et des tuniques dorées, dit le mendiant, et des jarres emplies d'or et de pierres précieuses. Il déposera à tes pieds ces richesses qu'il te destine, femme, parce que tu es ici pour être achetée. Mais elle, grâce à notre Seigneur, refusa les belles tuniques, les présents et les richesses. Éloigne de nous, ô Seigneur, les hommes qui sont la proie des plaisirs de la chair, qui sèment la discorde et la violence, et qui vénèrent les biens de ce monde, ramène tes fidèles aux valeurs originelles. Et fais-nous frères en toi et frères en Jésus-Christ. Amen. Amen.
Merci, mon père, merci. De rien, c'est naturel. Je ne sais comment vous remercier, père Morlaix, je vous suis très reconnaissant. Vous êtes si bon, père Morlaix. Que Dieu vous bénisse. La mission est de supprimer un ennemi et il faut que tu rates ton coup, imbécile. Si tu as encore envie, tu peux en savoir gré à notre Seigneur. C'est fini, n'en parlons plus. Toujours ça de moi que tu me devras, mon vieux. Californienne. Non. Virginienne. Sûr et certain. Qu'est-ce qu'on paye? 10 dollars? Considère-les comme perdus. Je viens de parier 10 dollars avec ce blanc bec que vous êtes virginienne. Exact? Exact. Votre nom est Maggie et vous avez travaillé chez Madame Irma à Saint-Louis. Oui, c'est juste. J'ai travaillé chez elle, mais il y a longtemps. Mais qu'est-ce que vous faites ici? Il faut changer de temps à autre, sinon on s'en coûte. Vous avez bien fait de venir ici. À Hobsonville, ils sont bourrés de fric. Vous ferez de bons mois. Mais y avoir la queue, j'en suis certain. Pour un étalon dans votre genre, je trouverais bien un instant de libre. Mon Dieu! Allez vous bagarrer ailleurs! Tu es encore là? Tu guettes la bonne affaire? C'est fait. Moi, quand je vois des clients trop chanceux, je m'arrange pour reprendre mon fric. C'est bon, laissez-le. C'est un malentendu. T'as une belle cravate, Major. Je vous trouve sympathique. Beagle. Thank you.
Préparez-vous, monsieur Pickle. Ça va être à vous. Vous dormez, monsieur Pickle? Diane est morte! Elle a été tuée dans sa roulotte! D'après les déclarations du propriétaire du cirque, la nature des rapports entre la femme assassinée et Josiah Pickle ne fait aucun doute. Nous sommes en présence d'un crime passionnel. Je regrette beaucoup que vous nous quittiez, Sabata. De ces jours, j'espère... Denis me remplacera et saura vous faire prendre patience. Si vous avez besoin de moi, je suis chez Clyde. Et je le filmerai plus tard. Tout de suite. Ça va par ici? Non, les affaires marchent au poil. Hobsonville est en plein développement. Pas vrai, Fripouille? C'est moi que tu traites de Fripouille? Non, je parlais à mon cheval, rassure-toi. Hé! Ah, si t'étais arrivé hier. Eau courante, chaude et froide. C'est la chambre que je réserve à mes hôtes de marque. C'est gentil. Elle n'a qu'un seul inconvénient, c'est d'être à côté de la tienne. Tu peux avoir besoin d'aide. Tu crois? Oh, je sais que tu n'es pour rien dans le meurtre de la fille. Je connais ta droiture. Qu'en sais-tu? Cette fille me filait pas mal de tuyaux sur Pickle. Depuis 2 mois, je menais une vie de saltimbanque parce que j'étais sur un coup fumant. Et craque. En tout cas, si t'as besoin d'un coup de main, enfin, je veux dire, de ce doigt... D'accord. Je ferai peut-être appel à tes services, merci. Il y a trop d'Irlandais dans le secteur. Bon, un coup de sifflet et je rapplique. Tu peux vraiment avoir confiance en moi. Je te rappelle que j'étais sudiste comme toi quand on faisait la guerre. C'est pour cette raison qu'on n'a pas pu la gagner. Hé, hey, l'étranger, vous n'avez pas versé votre contribution. Voilà le détail des pourcentages. Sur les articles de première nécessité, il est prélevé 5%. Sur les maisons closes, il est prélevé 50%. Mais alors, dans cette ville, on... Quand on veut que l'amour soit bon, il faut le faire chez soi. C'est comme la bonne cuisine. De toute façon, je ne paie pas. Mesdames, messieurs, voici le porte-parole de McClintock. Hein? Citoyens de la petite ville de Hobsonville, voulez-vous qu'elle soit plus grande, plus belle que les autres et respectée de toute la terre? Alors faites votre devoir et versez votre juste contribution pour un avenir meilleur. Bravo, cher ami. Tu vois ce bonhomme?
payé ce crash mitraillé comme le vôtre et je l'ai payé 12 dollars, pas plus. Si vous me demandez du vôtre 24 dollars, c'est un vol qualifié qu'il y ait ou non contribution. Ah, monsieur, faites bien attention, je vous interdis de m'insulter. Citoyens de Hobsonville, ne prête pas l'oreille aux propos discourtois de l'étranger qui se moque des intérêts de ton commerce. La Sainte Bible, livre de Néhémie, verset... Ne me casse pas les pieds. Livre de Sabata, troisième verset. Qu'est-ce qu'il y a, bon? Mais y a rien, je lui ai juste demandé d'éteindre mon cigare, c'est tout. L'organisation McIntosh, c'est une organisation de merde. Hein? Celui qui, sur cette terre de souffrance, essaie par des monnaies sournoises ou le pouvoir de l'argent de tromper les hommes simples ou les incapables, celui-là n'est pas un bon chrétien. Tu entends? Ah, toi, tu es toujours plus jolie et plus désirable. Si ça t'intéresse, et je ne t'ai pas dit ce qu'il y avait dessous, comme si on ne le savait pas. Non, tu sais toujours tout, David. Tu es un vrai savant. Mon trésor, il va falloir me décider. Et toi, chérie? Et toi, amour, tu montes? Bonsoir, trésor. Bonsoir. Ah, mon Dieu. Si j'étais encore jeune, qu'est-ce que je ferais pas? Ah, qu'est-ce que tu veux? On ne peut pas être et avoir été, c'est comme ça. Ah, il ne faudrait pas vous tromper, tous les deux. Je vous jure que j'ai encore des matins triomphants. Oh, évidemment, pas tous les jours, je ne vais pas me vanter. Mais je peux te jurer, j'ai qu'une parole, que pas plus tard que ce matin, je me suis réveillé comme ça. Un vrai porte-manteau. On regarde, mais on ne touche pas. Première fois? Oh non. Je viens tous les jours. Tous les jours? Oui, seulement, je n'ose pas monter. Maggie voudrait te voir, mais surtout ne va pas penser des choses. C'est pour la contribution. Et si je refuse de payer? Je suis désolé, dans ce cas, il faudra que tu vides les lieux. À ton âge, ménage tes artères, je n'ai besoin de personne. Je passe devant. Bart! Et toi, où tu montes comme ça? J'ai rendez-vous avec la prima donna. Elle est en scène. Je n'en crois rien, elle ne commence jamais avant que je sois arrivé. Pourquoi? Qui es-tu? Le souffleur petit père. Hé, hey, Joe, laisse tomber, je me le paie. Sabata. Il défend bien dans son rôle de souffleur. Mais c'est pas le souffleur. C'est le videur, ce type-là. Garde ton calme. Citoyen! Hein? Allez, va, profites-en. Sabata, attention! Étranger! T'as rudement bien fait de les foutre à la porte, ces salons-là. Ils puent comme des moucs, ces Irlandais. Les cigares puent aussi. Hein? Oh.
Alors, Sapatin, qu'est-ce qui se passe ici? Il a refusé de payer, il veut pas verser de cotisation. C'est vrai ce qu'il dit. Shérif, il a osé dire que c'était du vol qualifié. Si vous refusez d'observer nos principes, je serai forcé de vous arrêter. Hey! Oh, hey. On ne peut pas continuer ainsi, voyons, shérif. Shérif! Non. Oh, Maggie, t'en vas pas, je te donne 5 dollars. 8, 10, 12, 15, 20 pour moi. 25, 30 dollars, dernier prix. Non, je veux un billet de 50. Quelqu'un a déjà vu un gros billet? Maggie, moi j'en ai un. Pousse pas, Pépé, tant que ce soit ton tour, tu seras déjà mort. Elle me servira de canne, t'en fais pas. Étranger, épaule à sourde oreille. La Bible a dit, respecte ton prochain pour être respecté à ton tour. Alors paye. Tu sais y faire, hein? Et puis tu m'es très sympathique, quoique tous les deux on soit pas toujours d'accord. Ne me crois de moi, étranger. Je t'assure que s'il n'y avait pas toutes ces contributions, Hobsonville serait sûrement pas la ville qu'elle est. C'est pour ça que les habitants paient volontiers, d'autant plus volontiers qu'il y a le projet McIntock. Tape sur ta caisse et fume tes sacrés cigares. Oh. Voici une petite ville tranquille, où chacun des citoyens respecte la loi et paie sa contribution pour un avenir meilleur. Boum, boum. Ce discours exige un tambour. Bouge pas. Irlandais, l'organisation ne doit pas mal marcher pour se payer toute cette publicité. Alors, qu'est-ce que tu réponds à ça? Je vais te répondre. Tu n'es qu'un fouille merde. Il n'y a que ça dans ce bled. Il y a un an à peine, à Hobsonville, a débarqué un petit mariole comme toi. Il savait y faire avec le pistolet. Mais on le trouvait un peu casse-pied, tu vois. Et un jour, il s'est fait descendre. Et c'est curieux, on n'a jamais su pourquoi. Moi, je sais pourquoi. Il sucrait un peu les fraises. Tu peux tricher au jeu, si tu veux. Mais réfléchis. Pourquoi risquer ta peau, hein? C'est vrai. Pourquoi prendre ce risque, McIntock? Dis donc, qui es-tu? Pas un type qui bluffe. J'ai envie de faire l'amour avec toi. De nouveaux clients? Je te jure que je n'y suis vraiment pour rien. Fais pas le mariole avec nous. Personne ne vous demande rien. Bart, en silence,
Je ferai ce que je pourrai. Allez, barrez-vous en vitesse. Partez. Excusez-moi, je suis un peu vieux jeu, je n'aime pas les parties carrées. Qui a tiré? Et je n'aime pas non plus les voyeurs. Bonsoir. Je vais aller faire un tour. Dans McIntosh, je sens que je vais m'y intéresser. Tu verras, tu n'auras plus de doute sur son compte. T'as une touche. Et toi, mon Mickey, quand est-ce que tu te paieras une jolie pouliche, toi aussi? Va! C'est ici qu'on construira la nouvelle église. Et là-bas, la nouvelle école. La blanchisserie chinoise, le champ de foire pour le bétail, le marché aux fruits, la nouvelle banque, le plus grand hôpital de tout le Texas et... Non, je t'ai plus. Hey! Hey! Et il y aura même un bâtiment pour la Gazette? Oui, c'est ici que s'élèvera le nouveau bâtiment du journal de la cité. Alors, pourquoi ne pas verser ta modeste contribution? Hein? On n'est pas gourmand. On demande que 5% sur les choses de première nécessité. 20% sur les dépenses somptuaires et 50% sur les femmes et les jeux. Arrête de pisser, sinon on t'imposera sur l'eau. Tu parles comme ça parce que tu connais pas encore Joel McIntosh. C'est un homme de l'ancien temps. Il va avoir tout l'argent en caisse avant de se lancer dans des travaux. Salut! Salut, Bronco. Foutez-moi le camp, tas de feignants. Je vous ai déjà dit que je veux pas vous voir autour de ma calèche. Si jamais je vous attrape, je... Monte. Tu sais pourquoi il me plaît, ce McIntosh? Parce qu'il était mineur de fond. Il venait du peuple, lui, comme tant d'autres, et comme moi. Tu vois cette vieille mine, là? Il y a travaillé pendant des années. Il a découvert des tas de trucs. Des tombes apaches, des vieilles, vieilles grottes autrefois habitées, même une rivière souterraine. Mais de l'or, jamais. Dis-moi, à quoi est-ce que tu penses? Qu'il a déjà trouvé l'or. Oh, bien sûr, tu vois le mal partout. T'avais vraiment confiance en ta mère? Toujours là, Maggie? Tu ne vas pas faire d'affaire, ma belle. C'est lui mon affaire. Ces deux-là m'ont l'air assez prospères. C'est du genre qui doit pouvoir bien payer. Yes. Les frères Braddock. De riches marchands, ils viennent deux fois par an chez nous. Ils arrivent de Californie. La Californie. C'est l'Eldorado. Faites vos jeux. Faites vos jeux, mesdames et messieurs. Faites vos jeux. Allons, messieurs, faites vos jeux. Reste près de moi, associé. Tu me portes bonheur. Faites vos jeux. Il paraît que vous êtes une espèce de fripouille, monsieur. Qui a dit ça? Moi, si vous voulez le savoir, et je suis bien renseigné.
Donnez-moi donc votre cigare. Alors, Fripouille, si jamais vous perdez cette fois, je vous embarque. Allez-y. Rouge et manque. Ah. Bon. Change-les. Et pour la contribution, zéro. Ah, voilà ce que je voulais t'entendre dire, étranger. Ça, c'est le jeu de la balançoire. $2, deux concurrents, un sprint, un coup de pied. Le premier qui s'empare d'une pièce est déclaré vainqueur. La seule chose, c'est que cette fois, au lieu de dollars, nous allons mettre deux pistolets. Lieutenant, ton doigt, je vais en avoir besoin ce coup-ci. Ah bon? Quatre pas en arrière. Alors, vas-y. Qu'est-ce que t'attends pour tirer? Un tour de passe-passe t'aurait bien aidé. Regarde, je vais t'en apprendre un. Oh, 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 oh.
Adios, señores. On y va, mon Michel. Oh, la ronde, la prochaine fois que tu me déboulonnes les roues, je t'écorche tout vif, t'entends? À tous les coups, une justoura. Alors, t'as même piqué des boulons à l'ami Branco. Justin, il est là s'il le veut. Si jamais je t'attrape, je te tends le cou. Bon, bon, ça va, ça va, ça va, ça va. Ça te fait rire. Qui sait ce qui t'arrivera un jour. Aïe! Je suis seul à décider. Ici, personne ne commande à ma place. C'est compris? Faire usage de la violence dans une ville comme notre Hobsonville, une ville menée d'une main ferme et ouverte à toutes les nouvelles techniques qui représentent ce que le monde peut faire de mieux, c'est contraire aux saints principes de l'Irlandais. Ton ami nous a donné trop d'embêtements. Quand ça va-t-il? C'est que nous sommes associés. Il m'a forcé à m'associer avec lui pour que je lui rembourse une vieille dette de poker. De 5000 dollars. Je te les avance. On gagne vite son fric dans cette ville. Si McIntock veut bien te prêter 5000 dollars pour que je déguerpisse, on peut en empêcher plus en demeurant ici. Ah, tu montres le bout de l'oreille. Et qu'est-ce que je deviens si tu me roules? C'est bon pour toi. Bah, moi, je trouve que se tirer une balle dans la main, histoire de passer 20 jours de convalescence avec la femme du colon, c'est pas joli, joli. Bon, au fond, t'as bien fait. C'était un beau salaud et il méritait bien d'être cocu. Mais entouler les gens, faudrait pas que ça devienne une habitude. Attention! À ton avis, ils ont tiré sur toi ou sur moi? Bah, sur toi et sur moi, ils voulaient récupérer leur pognon. Associé? Associé. Non, je connais Sabata. Il nous percera un jour et on sera foutus. Non! Viens. C'est ma montre. Ça fait une belle somme, les contributions de 3 ans versées régulièrement par tous les citoyens d'Hobsonville. Une centaine de milliers de dollars. Ils se trouvent actuellement dans le coffre-fort de la banque de Jeremy Sweeney, notre banquier et maire. Et futur beau-frère de McIntock, donc un jour ou l'autre, ils se les partageront. Il faut donc arriver au coffre avant que le fric ait pris la fuite. C'est là qu'un peu d'astuce ferait merveille. Faut prendre la clé, mais la prendre à qui? J'ai un plan. Je sais que demain, McIntock va officiellement faire part du début des travaux. Ces deux petites canailles vont bien nous arranger. McIntock! 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 McIntock!
Citoyen de Hobsonville, Joel McClintock désirait vous faire part dès aujourd'hui d'une nouvelle importante. Mes amis, la confiance que vous me témoignez depuis 3 ans constitue à mes yeux la plus belle des récompenses. Dans quelques jours, nous attaquons les travaux qui feront d'Hobsonville la cité la plus grande, la plus belle et la plus riche. Pour nos enfants, pour nos mères, pour nos épouses, pour toutes ces saintes femmes dont la moralité sera toujours un guide et un exemple pour nos enfants et pour les enfants de nos enfants. Bravo ! Bravo ! Non, non, non! Pas ça! Non, non, je n'aime pas la violence. Oh, mon amour, tu étais merveilleux. Je me demande ce que je ferais sans toi. De temps en temps, tu prêtes main forte à l'Irlandais. Pas la main tout entière, attention, seulement le doigt. Ne dis pas de choses obscènes. Je me demandais comment on pourrait éliminer les gardiens de la banque. Ben, ça y est, j'ai trouvé. Moi aussi, mais avant toi. Ça s'ouvre pas.
Il y a peut-être comme un défaut. C'est lui. Moi? Non. Deuxième boulon du haut. Double verrouillage. Et tu ne le savais pas, bien sûr. La clé! Laisse-la où elle est, filons. Qu'est-ce qu'on fait de Clyde? On va le laisser là-dedans? Il s'en sortira tout seul. Et qu'est-ce que tu fabriques? Maintenant, on a assez de boulons. Prends ceux-là. Ils sont plus beaux. Jackie, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu as appelé? Major. C'est bien la première fois que je manque mon coup. Remontez les roues de sa voiture. Je veux te parler. On parlera en ville. Ville, tu es devenu complètement marteau. Tu ne sais donc pas que c'est le seul endroit où on n'osera pas nous tirer dessus. Suivons les hommes qui ont les sacoches. Allons-y.
Avec tout l'or que nous avons, tu piques encore des montres? C'est un spécimen très rare. Vraiment, quelle bande de cornichons, les hommes de McIntock. Ils suivent deux sacoches vides. Au grand réservoir. Les Irlandais, filant par la fenêtre. La vie sauve contre ces deux sacoches. Étranger, tu trouves pas que ça pue la merde? C'est vrai. Ça chute. Ça sent plus rien. Je t'y prends, Clyde. Tu files à l'anglaise. Je ne voulais pas te rejouer un sale tour. Je serais bien un fils de pute. Ta mère et ma mère arpentaient le même bitume. Seulement, c'est ma mère qui avait le plus de clients. Et malheureusement pour nous, celle de Joël McIntock faisait la mère Mackerel. Comme quoi, on est baisé. Si je te prouvais que le paquet de dollars est faux, ça te ferait quel effet? Tu rigoles? Ça, c'est un coup dur, hein? Clyde! Oh, écoute, Clyde, il faut absolument que je te parle. Mais c'est tout. Ils sont faux. Et d'après vous, ce salaud de McIntock cache-t-il les vrais? Vous ne savez pas où ils sont? Aucune idée. Menteur. Les sacoches. Mais nom de Dieu, tu pourrais bien me croire. Rien qu'une fois. Angelo, Condeur! Allons-en. Et moi? Où je vais aller? Si on n'était pas avec une dame, je t'aurais bien dit, va te faire. À moins que ça ne te soit déjà arrivé. Nous voici au dernier stade de la fusion. Je me sens plus jeune, tout à coup plus léger. Guéril, ces pièces sont une réussite. Regarde. Ce n'est pas du tout mon avis. Joël, plus le temps passe, et plus je suis convaincu que ton séjour dans la mine d'or ne t'a pas arrangé. Mais bientôt, je lève le pied. Et je laisse croupir ces pauvres crétins de cutéreux comme ils le méritent. César, modèle réduit. Sur chaque pièce d'or, l'effigie impériale. Tout notre or se trouve là-dessous. Nous pouvons donc acheter le silence de ce monsieur deux, trois et même quatre fois. Et si jamais il refuse, ce sera bien dommage pour lui. L'éternel grand, il est bon, ainsi doit-il en être de chaque créature. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen.
J'ai trouvé cette montre sur un des hommes de ta bande. Elle appartenait à Pickle, Josiah Pickle, un faussaire de grand talent. Et aussi pour les gogos, un grand prestidigitateur. Un jour, à la fin de la guerre, j'ai rencontré ce Josiah. Et puis j'ai découvert ses faux dollars. Je ne l'ai plus lâché. Je me suis dit, tôt ou tard, ces faux dollars deviendront vrais, seront bons à prendre. Alors, je l'ai suivi. Très intéressant. Et c'est comme ça que j'ai fini dans un cirque. C'est beau, hein? Eh oui. Le cirque exerce sur le peuple une grande attirance. Il vient dans ce pays deux fois l'an. Ça fait en 3 ans 6 voyages de faux dollars qui servent à couvrir les exigences de McIntock. Seulement, voilà, au dernier voyage, c'est moi qui me présente. Et toi, en Irlandais, pas très hospitalier, tu me reçois mal. Whisky? Mais tu en fais une tête. J'ai là 1 million de faux dollars. Bon, je ne sais que faire. Toi, au contraire, si tu avais ça, tu ferais vinaigre pour aller les mettre dans le coffre-fort, pas vrai? Dépose l'ivraie. Ah, mais j'y pense, ils sont déjà partis pour la côte ouest. Tu sais, l'Irlandais, il y a beaucoup d'or par ici. D'ailleurs, on peut toujours en acheter si on n'en trouve pas. Bon, je ne veux pas te contrarier, je te rends ces faux dollars contre 10% de cet or. Ensuite, je passe à la banque l'échanger contre de vrais billets. Tu ne sortiras pas d'ici vivant. Tu as l'air soucieux. Tu veux en boire? Fini la comédie. Va prévenir ton associé. Dis-lui que je passerai avant la fermeture des guichets. Sabata! Ne va pas à la banque. J'apporterai l'argent à la vieille mine à la tombée de la nuit. Des faux dollars? Ah, c'est à se demander ce que t'as en tête. Pourquoi tu dis pas la vérité aux habitants d'Hobsonville au lieu de marcher dans les combines de Silo? Il m'a promis de rendre les vrais dollars. Voilà pourquoi je me tais. Comme ça, les gens ne se seront pas sacrifiés pour rien. Qu'est-ce que tu en penses? T'as pas confiance? Tabata! McIntock t'attend! Rien de presse. La calèche de monsieur est avancée. C'est pour le peuple. L'étranger, tu t'en es tiré.
Tu as fait une erreur, McIntock. Si demain à midi, je n'ai pas mes 10%, tout Hobsonville saura que tu es un faux monnayeur. Tiens, t'es venu, toi aussi? Et qu'est-ce qu'il te raconte, le vieux? C'est un secret, lieutenant. Si tu tiens tellement à le savoir, envoie-moi donc Jackie. Retourne au collège. Tu renvoies cette gamine au collège. Et quel cours suit-elle? Il n'y a pas de quoi rire. Je t'apprendrai que je professe déjà depuis des années. Et bien sûr, le proviseur est pleinement satisfait. Major, il va être midi. Et on n'a pas encore vu l'Irlandais. De Hobsonville. Voilà enfin la vérité. Toute la vérité. Ce bâtard, souviens-toi de notre sœur. Il y a un an qu'elle t'attend devant la porte de l'église, à Redstone. Tu devais te marier? Elle a eu un fils. Décidément, tu es maladroit. Je vous rendrai la dot, vous faites pas de soucis. La grosse caisse. Hé, hey, grand dadé, ôte-lui son pistolet. Moi? Tu te rappelles, la même chose s'est produite à Fort John. En ce temps-là, tu étais ingénieux. Qu'est-ce qu'on peut changer quand on prend de l'âge? Prends-le. Thank you.
un crash mitraille. Oh. Tu sais que tu es diabolique. Tu as entendu, Maggie? Ce pauvre type prend au diable. Au poker. Regagne là au poker. Bronco, qu'est-ce que tu as? Je pensais au fils que t'as pas encore embrassé. Ça va être un pauvre garçon, un bâtard comme moi. Comme lui. Moi, je trouve que t'as eu de la chance, étranger, d'avoir une vraie maman douce et... Qu'est-ce qu'il y a? Toi aussi? Eh oui. Mais alors, elles le sont toutes! Vous allez venir avec moi ce matin. Depuis que vous êtes là... Mais ce sont les autres qui l'ont provoqué. Il a dû tirer en état de légitime défense. Je vous en donne ma parole. Laissez passer. Allons, 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 reculez. Donne-moi ça. Écartez-vous, laissez passer. Je n'en ai pas prêt. Merci. Voici l'arme du meurtrier. Shérif, tâchons de reconstituer ce qui s'est passé. Vous êtes d'accord? Pickle tue Diane, la trapéziste. Après, il revient à Hobsonville pour m'abattre. Il était jaloux comme un tigre. Mais c'est lui qu'ils ont abattu et avec mon pistolet. Et à qui faites-vous porter le chapeau? J'admets que vous avez un certain bagou. Mais devant la potence, vous serez moins faro et cette fois-ci, nul ne vous ôtera la corde du cou. Vous m'excuserez, mais vous perdez votre temps. Et celui qui a tué Pickle en profite pour se tirer avec le magot. Et puis ce million de dollars, il est à moi, à nous. Il appartient au peuple pour une ville plus riche et respectée de tous. Bronco, jamais contre un représentant de la loi. Bon, en clair, monsieur, vous voulez parler des fonds de McIntosh, c'est bien ça? Je voudrais 6 heures de liberté contre ces dollars. Hein? Tous à la mine de l'Irlande! De l'or, venez, venez avec nous, chérie. Ben attends, c'est impossible, voyons. Il y a eu une explosion, j'ai entendu une explosion. Il parle de l'ancienne mine. Ah, il est quand même gonflé, cet Irlandais. Le mois dernier, il en avait fait cadeau à la ville. Dis donc, l'étranger, tu serais pas un peu comme lui, par hasard? Qu'est-ce que tu veux que le peuple fasse avec des faux dollars? Il peut toujours attendre que les vrais répliquent. Alors, shérif, 6 heures de liberté.
où nous allons, il n'y a pas de place pour toi. On se reverra à Saint-Louis. Madame. Monsieur. Sabata doit être dans les parages. Il épie sûrement tes moindres mouvements. Il ne suivra jamais Sario. C'est bien ce que je veux. Attends-moi ici. À bientôt. Il faut trouver l'heure avant qu'ils reviennent. Ah, où on commence? Par la fonderie, vite. Attendez-moi, Greenpad, je n'ai plus besoin de vous. Si sa bataille, sa bande arrive, ouvrez le feu. Hey, comptez sur nous. Ya, ya! Va. Hi! Alors là, j'y comprends rien. Les Irlandais partent par là et nous de ce côté. Éteins ce cigare. Voilà. Oh. Regarde. Branco, je t'avais pas déjà demandé d'éteindre ce cigare. Oh. Tout le temps. C'était une attrape. Tu as perdu, Sabata. Tu aurais dû suivre le premier chariot. Mon or est loin à l'heure qu'il est. Raconte ça à d'autres, tu veux? Tu te méfies de tes propres gardes. Mais t'en fais pas, tu ne me dois plus rien. Maintenant, ce sont les gens d'Hobsonville qui me les donneront, ces 10%. Le peuple me paiera mes 10% du moment que je pourrai lui rembourser ce que tu lui as volé. Oui, l'étranger, c'est sûr qu'ils te les donneront. Le peuple est disposé à récompenser celui qui l'a défendu.
nous te dénoncerons. Parfaitement. Tu ne me dénonceras pas, Sabata, parce que tu veux avoir cet or. Et tu le veux rien que pour toi. Mais tu perds ton temps. Là où il est, nul ne l'en trouvera. Qu'est-ce que tu en dis? Un Irlandais, il faut vraiment qu'il voit crever ses enfants pour leur dire où il planque son or. Eh, alors faut qu'on crève nous aussi si on veut le savoir. Nous ne sommes pas ses enfants, Bronco. Clyde! Oh, je l'ai trouvé, je l'ai trouvé! Il est là, sous ces pierres. Oh, Clyde. Ah, écoute, Laure, je vais m'en charger. Et toi, monte vite faire le guet. Allez, va. Je vais chercher ma sœur et je reviens. Attends-moi là. Enfoncez-la. Clyde. 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 Comment tu es là aussi, toi? Tu cherches l'or? Non, non, Joel. Non. Si. Tu es comme les autres, et c'est ce que je dis. Toujours en train de te frotter à moi comme une chienne pour avoir mon or. Non. Oui, tu fais ça pour mon or. Non. C'est pour mon or. Clyde! Oh non. Clyde. La seule lettre pour laquelle j'avais d'affection. Il va falloir que tu me tues aussi. Autrement, c'est moi qui te tuerai. Oh! Amenez le chariot.
Les caisses sont toutes dans la grande salle. Il ne reste plus qu'à charger l'or. Dis donc, qu'est-ce que tu penses de la décision du vieux? Moi, je dis qu'on ferait bien de foutre le camp d'ici. Je n'avais mis sous ses pierres qu'un seul et unique petit sac d'or pour qu'il tombe dans le piège, mais il n'est plus là. Wanna get rich? If you want a good life, you gotta be a son of a. Fais sauter la serrure. Tire. Et ses complices sont dans le coin. Fouillez la ferme. Il ne faut pas qu'ils en sortent vivants. $20,000, il est à toi. Hé, associé, je veux te parler. Tu t'es fait fou ! J'ai un pistolet chargé, et lui, il a tiré 4 coups. Sabata, amène-toi. L'Irlandais est à nous. Écoute, mon vieux. Je veux $20,000 pour lui. Toi, au contraire, tu n'empocheras que la moitié de 10% à condition que nous trouvions l'or. Ça m'en y a que lui qui sache où il est. Un Irlandais, même à l'heure de la mort, ne dirait pas où il cache son or. Il ne dirait même pas sa mère. Même si la faim. C'est bien ce que tu fais, lieutenant, c'est parfait. Partageons tout de suite le sac d'or. D'accord pour m'avoir.
courent après mon or comme des motos, comme des guêtres. Non, vous n'arrivez jamais à me prendre, car je suis le seul à savoir où il est. Mon or est ici. Oui, mon or est là. Mon or est là. Mon or, il est là. Major. Là, lieutenant. Major, tout son or est là, là. Mais où là? Où? Porte-bonheur. Il n'a pas envie de le regagner au poker? Cette fois, toutes les cartes sont là. On est d'accord? Tu essaies une fois de plus de me rouler, hein? Mais c'est fini. J'ai une main pleine. Un autre crash mitraille. Tu vois mon jeu? Je te disais bien que j'avais une main pleine. Passe. Hé, étranger. On dirait un numéro de saltimbanque, ton truc. Il manque juste la musique. Allez, tire. Tire donc. Je te sauve la vie. Le contrat est rompu. Tu m'emmènes pas avec toi? Major! Associé! Un de ces jours, t'auras peut-être besoin de ce doigt-là! Hein? Soigne-le d'abord! Bon, 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 bon
guess I've been living inside of you. But I guess it's time I set me free. And there's nothing that you can do. I can't seem to keep people around me. Why? Cause I'm scared that they might know the truth all about me. Then they might doubt me. There's no other route. I wanted to shout, but it's too late now cause I'm drowning. Got two-faced like I'm a clown, man. Life is too great, no, it's astounding. I'm in good shape, ma, but you know that I'm growling. Like a cop in a cage, I can't cope with this hopelessness. Though I try to be open and go with it, but I'm soaking in the pain like a wind never stop flowing in. As I'm floating in a glowing river through a golden gate, trying to motivate. Yeah, I do my fucking best, but there's two voices in my head. I just can't, I just I fucking you can't see me. Yes, I've been living inside of you. But I guess it's time I set me free. There's nothing that you can do. I hope you can see me. Cause I've been living inside of you. But I guess this time I set me free. And there's nothing that you can do. I hope you can see me. What you working like this? You be fine, trust me, just in time we get along. No, leave me alone. Why, yes, can you see that you are alone, big? We now sitting in our own throne, big. We need nobody, can you see it through? But it's not you whom I should be listening to. Guess what, big? Nobody fucking needed you. No, ain't nobody fucking needed me. Yeah, they never needed us. Like when they nailed Jesus up. There's no fucking heaven that they don't believe in us. But they my friend, I'm the only one that you can trust, yeah. God damn it, you an idiot. Go online, be a slave for the media. And you forgot what your father said? Are you serious? Look at yourself, big. You fucking idiot. There's nothing that you can do.